Elle est là le micro. Alors un money match qui se prépare entre Kebabman de Marseille et Vec de Limoges, chacun représentant de leur personnage Luigi et Fox. Avec l'occurrence par grâce à Tony Up Smash. Ah c'est le shine réaction de la part de Kebabman. Vec qui a demandé des conseils à un autre joueur pour comment battre Kebabman, puisque de base il est censé être dans la même coupe que lui. Kebab qui a l'avantage en début de partie à la backer et ça devrait être la stock s'il ne rate pas son upcar. On rappelle que 5-0 sont en jeu pour ce mini match. Kebab qui ne pouvait pas vraiment attaquer en neutral. Hein. Mec qui n'arrive pas à trouver sa petite. À la nerf peut-être. Le grab, ça va être gros ça pour Vec, c'est là son finish game. Ah il a essayé de backer, il a mal du long. A plus tout. La boule de feu, ah. Il est en arrière de 2-2 stock contre Kebabman le Marseillais qui est sur le PR de sa région, attention. Ouais, je sais pas, il y avait personne. Vas-y, fonce, fais-toi plaisir. Aïe. Ah, Kebab qui trouve sa top air. Le juggle de Luigi qui a de la peine à descendre quand il est en l'air. Là, on va rester la stock. C'est la stock de Vec. Ramenez ça, ah le F smash, ça devrait être un backer, voilà. Backer de Kebab, backer, offer, ça tue. Ah, c'est compliqué pour Vec là. On va voir Kebab qui. Il laisse pas de voiture avec. Hein. Je sais pas vraiment qu'est-ce que Vec pourrait faire dans ce. Ah, le coup de but combo. Ah, il a arrêté son up tilt. Ah, let's guard. Backer, nice, il a bien mis. Up tilt, backer, c'est la stage. Vec qui est en train de comeback pour l'instant. Mais. Ouais, c'est compliqué. Ah, il est mort. Il est mort, il a tenté le misfire, ça n'a pas marché. Kebab qui mène 1-0 dans ce money match. Ça passe sur la pause. Qui est évidemment le meilleur stage pour Luigi dans ce match-up à côté de Chain Grab. Un début de match, un autre garde raté. Kebab qui n'a pas vu aller pour cette top-là. Combien en score là? Il y a 1-0 pour Kebab. Un up smash, Kebab qui prend la stock. Il a pris 0% pour l'instant. On va voir si le finish game de Vec est à la hauteur. Vec qui n'arrive pas à convertir ses down smash là. Il reste à l'aider de grave. C'est vraiment fort dans ce ça. Kebab qui joue bien son jeu, il attend que le mec fasse quelque chose après son intro. Ah, le café qui est rajouté sur le money match. Le money match café. Le mec qui prend cette stock.
charge là, il est à 85%. Et un grab et ça peut aller très vite ça. C'est le prince qui fiche. Un des meilleurs moves de ce jeu. Batman qui temporise bien avec ses lasers. Ouh le jugger. Il accuse Moldam Smash les petits dans le trader. Ouais le finish game qui. Il pourrait être mieux du côté. Ouais, le fameux standing laser de Kebabman. Je peux pas le dire, mais il arrive pas à faire des double lasers. Trop de tech skill pour Marseille. Le downbeat qui. Avec, il a tenté Misfire. On a vu le petit sourire sur la caméra. Aïe aïe aïe. Allez, Vec. Ah, il a pas réussi à combattre ce grab, il aurait pu facilement rigrab. Down B, up tilt. Ah, ça devrait être l'edge guard là, la backer. Ah, il a raté. Bon angle de kebab. Up tilt, qui aime bien attendre après son attaque. Il a raison sur la merde de sa frame. Quoi de mémoire. Rien n'est terminé là. On pourrait se passer en une fraction de seconde. Avec une chose de running back qui prend la smash. C'est even au niveau des points. Ah, et Vec qui est mort. Le chat et une boule de fouet smash. C'est la fin de Vec sur cette deuxième game. 2-0 pour Monsieur Kebab. Représentant de Marseille. Je vais essayer d'aller update le score sans. Il a décidé de recouler vers pick FD, mais il a déjà deux stocks de désavantages. On sait que Vec ne supporte pas très bien les manettes à l'heure actuelle. Il a assez souvent mal aux mains quand il joue à mêlée. C'est pour ça qu'il va switch sur la box dans un figure proche. Donc peut-être qu'il est un peu fatigué de cette journée de. Ouh, les jabs de Kebabman. Des journées de Smash. Ça devrait être la. Oui, voilà. Kebab qui joue un neutral très patient, il n'essaie pas vraiment d'approcher l'outil, il laisse Vec approcher et punit les clans à l'occasion. Il l'a laissé, là on peut voir, il a pas voulu approcher pour foncer dans le double de l'outil, il l'a laissé. Le shine, la situation de guard, le grab ledge, Vec qui est sur sa dernière stock de ce B au centre. Standing laser, sa marque de fabrique. Ah, ça s'annonce mal pour Limoges là. Ah, le combo. Oh, il est bien résistant. Oh, c'est la stock situation. Les standing laser de Kebab pour aller pour 100. Up smash devrait bientôt tuer. Ah, le down smash, le jab reset, c'était bien joué de la part de Vec. Le side B, le up B. C'est bien joué, mais ça ne tuera malheureusement pas. Assez serré cette troisième game. Le F-tip de la part de Vec. Il a failli se reprendre le shine up smash de tout à l'heure. Et c'est là,
ça va clore la stock. Je vais devoir aller re-update le score. Kebab qui soupire. Yoshi, c'est une perfect part kebab, un stage qui permet de tuer Vec très rapidement, comme on vient de le voir. On peut noter la présentation des t-shirts en bas à gauche de votre écran. Doria! N'hésitez pas à aller en acheter si vous pouvez, si vous avez les moyens et que vous les trouvez stylés. Comment ça se fait, quoi? Les petits lasers pour gâter les pourcents. Mec qui a pas envie de son ledge, c'est le problème smash. Sans Nisfire, ouais, pas Nisfire, il est mort. Ah, plus que deux stocks pour Vec. Ça va être la fin de ce money match. Oh, le double smash upper de kebab. Ah, le ledge dash raté de Vec. Kebab qui omis stock. Très gentil de sa part. Ah, le grab. Ah, Vec qui n'a pas tenté de la brisade, le down B. Ah, les fameuses affaires. Vec qui survit tant bien que mal. Un smash, ça devrait être fini là normalement. Un smash finirait cette partie, peut-être une affaire aussi. Ah, Vec qui n'arrive pas à approcher kebab sur cette plateforme. La rolling, ah, et c'est la stock. Avec le représentant de Limoges qui perd 3-1 ce money match, 5€. Kebab qui va pouvoir aller s'acheter un panini. Kebab qui va aller savourer son panini. La danse de la victoire de la part de kebab. Et les crews qui vont bientôt arriver sur le stream. À la prochaine. Venez à la HF LAN.